Vitagora, c'est le pôle de compétitivité qui touche au goût, à la nutrition et à la santé. Aujourd'hui, Vitagora se développe autour de la notion de bien-être, qui est une notion qui est de plus en plus importante pour les industriels et également pour les chercheurs, car définir le bien-être n'est pas simple. Aujourd'hui, notre pôle en fait réunit 143 adhérents, dont la majorité sur le territoire de Bourgogne et Franche-Comté, qui est notre territoire de démarrage et qui est notre territoire de reconnaissance au niveau national. Et nous avons également des adhérents sur le territoire national et au niveau international. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de développer des projets innovants, de développer des actions en lien avec l'alimentation, la nutrition et promouvoir en fait l'excellence scientifique auprès du grand public. Il faut comprendre que Vitagora ne fait rien, mais rend juste les choses possibles. Il faut voir Vitagora en fait comme un catalyseur d'une réaction chimique où il y aurait des ingrédients qui réunit entre eux en fait, il ne se passe rien, mais en mettant ce petit catalyseur, il se passe une réaction chimique tout à fait importante et extrêmement rapide. Donc en fait, Vitagora, c'est ça, c'est ce catalyseur qui va permettre, lorsqu'on est saisi par une problématique d'entreprise, lorsqu'on est saisi par un laboratoire pour valoriser ses travaux de recherche, nous, en fait, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va tout d'abord essayer de comprendre quelle est la demande qui nous est formulée, quelle est la problématique, quel est le projet innovant qu'a la personne en tête, notre interlocuteur. Ensuite, on va aller chercher des partenaires qui sont adaptés aux besoins de cette entreprise, de ce laboratoire. Et puis, on va faire ce qu'on appelle l'ingénierie de projet. Au sein de Vitagora, il y a beaucoup de réalisations extrêmement concrètes. Vitagora est aujourd'hui un des premiers pôles agroalimentaires en termes de développement de projets. On a déjà développé, labellisé 127 projets. Plus de 60 sont d'ores et déjà mis en œuvre et financés. Donc, ce qui veut dire un bon rythme de projet. Il faut savoir que le pôle est tout jeune. Il a seulement 5 ans d'existence. On a une dynamique projet qui est aujourd'hui reconnu à la fois sur le territoire local, mais également au niveau national et international, puisque beaucoup de clusters et de pôles de compétitivité étrangers nous contactent pour voir quel type de partenariat nous pourrions développer ensemble. Donc la force de Vitagora, pour résumer, c'est d'aller chercher des acteurs pour répondre à une problématique, de développer le projet collaboratif, et cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit, d'aller chercher des financements adaptés au développement du projet. Vitagora, en fait, est une association loi de 1901, donc née en 2005. Vitagora a aujourd'hui un budget de 900 000 euros qui provient majoritairement d'aide publique, mais quand je dis majoritairement, la tendance est à la décroissance, puisque nous avons 54% de nos aides qui viennent donc des collectivités locales, de l'État, et de partenaires tels que le Grand Dijon. Et puis nous avons donc les 46% restants qui proviennent de fonds privés qui sont issus des adhésions et des actions que nous développons avec nos adhérents, nos partenaires. Donc Vitagora, en fait, c'est un équilibre de financement entre le public et le privé, puisque à fin 2011, nous serons à 50% de financement public et 50% de financement privé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.